Parfois, il arrive qu'on aime un jeu exclusivement pour une petite chose qui le caractérise. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce shmup qu'on va explorer. Un shmup des années 80, il me semble, si je dis pas d'énormité. Un shmup dont je suis certain, en tout cas, de l'origine, puisque c'est un shmup espagnol de 1980 tout rond, je confirme. Qu'on va explorer aujourd'hui et je vous garantis que vous allez en garder un souvenir mémorable, malgré le boucan dehors, parce que j'ai les fenêtres ouvertes, mais c'est pas grave, il fait trop chaud. Donc, aujourd'hui, on va explorer Destroyer. Regardez-moi ce flyer. Destroyer de Sid Elsa, qui va vous laisser un souvenir absolument inénarrable. J'arrête de teaser et je vous envoie directement, puisque vous allez voir, je ne vous bullshit pas comme d'habitude. Muy bien. Alors, je vous laisse profiter du bruit des voitures dehors. Il est peut-être probable que vous finissiez par le regretter, en fait, une fois que vous allez découvrir ce qu'il y a dans ce jeu. Alors, dans ce jeu, nous avons un scrolling, ce qui en 1980 était très fort. Nous avons un boss à 500 points. Des points qu'on appelle donc des puntos dans l'univers du cosmos espagnol. Et nous ne verrons pas de démo parce qu'ils n'avaient pas envie de la faire voir. Et c'est peut-être pas un tort, hein, puisque regardez le jeu, il arrive. Donc je ne vais faire aucun commentaire pendant la partie, les 5 minutes obligatoires que je dois pratiquer pour vous faire voir ce jeu. C'est parti! Comment ça, vous commencez déjà à regretter ma voix? Je comprends. Hein. Ceci dit, vous avez foncé sur l'album. Oui, cette BO, faut pas la rater. Alors, je vois un cadre idéal pour l'utiliser. C'est le jour où vous invitez des gens chez vous qui ont tendance à. Vous savez, c'est les gens qui squattent un peu longtemps. Genre, vous vous demandez s'ils ont un chez-eux pour rentrer après, quoi. Et donc, ma recommandation. Récupérez la BO de ce jeu et passez-leur sur un bon système 300 watts avec des Bose. Vous allez voir si ça marche pas. Alors, le jeu est jouable, mais de là à pas être répétitif. De là à pas être répétitif quand même, faudrait pas exagérer. Maurice, comme on dit. Tu casses le BO, elle est géniale. Je n'en démords pas. Bonjour, j'ai brûlé mon cerveau. T'as écouté de la techno? Non, j'ai joué à un shmup. Alors, niveau répétition, on est dans l'extase totale là parce que. Oui, je vais ressortir mon expression un peu désagréable, on va dire. Non, je la garde. Ok, pour une autre fois. Mais en général, quand je dis que c'est comme la mort, c'est que c'est chiant. Il arrive le boss un jour là où je me nonne. Oh mon dieu, des nouveaux sprites. Avec des tirs qui changent de direction. Les gars, on prévient. On verra jamais le boss. Aïe 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 aïe. Je connais une malle au grenier qui va être bien remplie après cette chronique. Puisque oui, il ne fait nul doute que ce titre va vite aller au grenier. Il fait partie de ces improbabilités du jeu d'arcade. Qui ont eu la chance d'exister, mais qui franchement. On n'est peut-être pas trop étonné que ce soit pas connu ensuite. Ah, putain, mais c'est quoi cette. Tire qui change de direction.
voudrais bien le boss, les gars, j'en peux plus de votre truc. C'est un calvaire, c'est une souffrance, c'est une douleur. Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes? 5 minutes 11! Yes! 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 Non, je ne relancerai pas une partie, c'est hors de question, il faut me payer là. Je peux pas, je peux pas. Je. Non? Non. Au revoir. Donc, Destroyer de Sid Elsa. Il y avait un bout d'idée, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. Vous avez, je sais pas, vous avez fumé des trucs. En plus, regardez-moi ce cover. Un cover à la métal hurlant, quoi. Ça envoyait. Quel grand malheur. Allez, vite, on va monter tout ceci avec des gants anti-radiation au grenier pour le mettre soigneusement au fond de la malle et ne plus jamais en entendre parler. Adieu, Destroyer. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles et le bouton d'abonnement au cas où vous ne seriez pas encore abonné, ce qui est une énorme erreur. Ciao. Ah, cette BO, je vais pas dormir.